Bon les gars, bienvenue à tous sur la chaîne secondaire, vidéo pas prévue. On était sur un parking pour faire un truc et je vois un homme assez louche qui tourne autour de ma voiture, donc je vous laisse voir par vous-même, vous allez voir. Ça fait au moins 2 minutes qu'il tourne autour de la voiture, je sais pas s'il cherche. Voilà, vous voyez, je sais pas. On va voir. Hein. Et il a un bidon à la main avec un tuyau, donc je sais pas si le mec il est pas en train de chercher une trappe à essence. Ça serait fou que le mec il veuille faire l'essence sur une voiture électrique, frérot. Je sais pas ce qu'il cherche. Il doit chercher la trappe à essence. Il a fait le tour de tout, frérot, par contre. Ouais. Mais à mon avis, il doit prendre celle-là parce qu'il pense qu'elle a un gros réservoir. C'est comme si c'est une grosse voiture. C'est SUV, ouais. C'est rigolo parce qu'il est en bleu, il a l'entonnoir bleu. On dirait la FSP. Attends, en plein jour en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche ma voiture. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il a trouvé la trappe électrique. Putain, à force de la toucher, mais la voiture, elle a... Elle filme, là, non plus? Ouais, elle filme, c'est pour ça qu'elle s'est allumée. Il me stresse, frérot, je sais pas ce qu'il fait. Moi non plus, je sais pas ce qu'il fait. Il va prendre le jus. Hop, il a réussi à ouvrir la trappe, t'as vu ou pas? Ouais. T'as vu? Ouais, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pas. Frère, mais il est en train d'essayer de siphonner la voiture avec l'électrique. Ah, ça croit, je vois ça. Un problème, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait, on va le voir. Tu restes là? Je vais faire le tour, ouais, je vais faire comme si. Bonjour. Vous voulez un coup de main? Vous voulez un coup de main? Ouais, c'est ma voiture, j'arrive pas à prendre l'essence, je vais passer. C'est votre voiture? Ouais. Et vous voulez faire quoi? Prendre l'essence, là. L'essence? Ouais. Je sais pas comment. Pourquoi vous voulez prendre l'essence? Vous savez pas comment on fait sur ce modèle de voiture. Mais non, mais pourquoi vous voulez prendre l'essence? Bah, parce que j'ai une moto et c'est 50 plus, c'est galère pour prendre l'essence en ce moment. Ah. Et là, t'essayes de prendre l'essence de la voiture? Ouais. Pour de bon? Faut rigoler. T'essayes de prendre l'essence sur une voiture électrique? C'est une voiture électrique, ça. Comment c'est une voiture électrique? Mais cher Kobe, c'est une voiture électrique. Mais oui, tu vois pas, il y a écrit Tesla. Tu connais pas Tesla? Tesla, c'est une voiture essence. Non, c'est une voiture électrique. Bah non. Et si? Bah non. Bah si. Bah non. Tu vas pas, bah si. Tu vas pas, y a la trappe pour mettre le truc pour mettre l'essence là. Non, ça c'est. Non, ça c'est une trappe pour mettre une prise, gros. Elle est essence. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, tu sais pas que Tesla c'est électrique? Non, mais là. Ah, sérieux, non, sérieusement. Non, parce qu'elle est électrique aussi, mais tu peux mettre l'essence dans le glacier pour le chargeur et là c'est pour mettre l'essence. Et je sais quand même, c'est ma voiture. C'est ta voiture en plus, tu m'as dit? Oui. Ah ouais? Oui. Donc c'est ta voiture, et hop, elle se referme la trappe. Bizarre. Hein. Donc c'est ta voiture, et tu sais pas qu'elle est électrique. Écoute, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, prends ton téléphone, tu regardes Tesla sur. Ça va, on regarde ensemble, je suis pas fou hein, quand même. Tu regardes Tesla et tu vois si c'est une voiture essence. Tesla, voiture essence. Voiture. Essence. Tesla, voiture essence. Alors, c'est quoi? Voiture Tesla, essence. Électrique. 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 Électrique, tu vois, mais ça c'est exactement la même que moi. Électrique. Ah, j'ai changé de voiture. Tu t'es trompé de voiture? Ouais. Ah, tu t'es trompé de voiture? Ouais. Alors là, tu arrives pas à reconnaître si c'est ta voiture ou pas, c'est ça? J'ai un peu de doute, mais c'est la même. Tu connais pas la plaque d'immatriculation? Regarde la plaque, dis-moi si c'est ta voiture. Vas-y. Est-ce que c'est ta voiture? Eh non, c'est pas la mienne, non, je me suis trompé, mais non. Ah. Ah non. Tu t'es trompé? Ouais. Tu vas me prendre pour un con combien de temps? Juste, je veux ça. Tu as vu, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Dis-moi juste combien de temps tu vas me prendre pour un con? Si tu me prends pour un con. Parce que j'ai même fait dire. C'est ma voiture. Et là, tu es en train d'essayer de voler l'essence sur une voiture électrique qui en plus n'est pas la tienne. Ah, c'est celle-là, c'est la Citroën de ma voiture. Ah putain, mais il y a une grosse différence entre une Citroën et Tesla, tu trouves pas? Parce qu'on sent même là, le PDV, s'il te plaît. Un peu le design. Ouais. Pour ça, vu que je suis daltonien. Tu es daltonien. Ah, c'est pour ça, ça doit être ça. Regarde, j'ai mon collègue qui arrive. Pourquoi une caméra? Eh, parce que frérot, tu fais tellement des actions de fou, c'est un truc qu'on a jamais vu ça. Tu es obligé de prendre la caméra et de filmer, non le dé? Ah, qu'est-ce que c'est? T'as pas l'air méchant en plus, c'est pour ça que je le prends comme ça. Non, attends, regarde, attends, viens avec moi. Viens. Non. Tu comprends bien que là, tu as essayé de me prendre l'essence de ma voiture qui n'existe pas avec ton bidon pourri là. Mais gros, tu iras pas loin avec ça en plus. Tu siphonnes les réservoirs de moto, mais pas de voiture avec ça, gros. Ah bah
jambe, ça suffit. Mais c'était pour ma moto. Ah, c'était pour sa moto, ouais. Ah, je sais plus. T'as quel âge, tu m'as dit ? 25 ans. 25 ans ? Oui. Et tu travailles ? Oui. Tu travailles dans quoi ? Travaille à Total. Tiens, écoute, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tiens, non, je te jure, hein. Tiens, va-t'en, vraiment va-t'en, va-t'en. Allez, allez, y a pas de, j'ai même pas de sentence, rien, sa sentence, c'est lui tout seul, sa sentence. Là, parce que, bah, laisse tomber. Non, oui. Oui, travail à Total, vas-y, vas-y frérot. Au fait, quand tu verras des voitures avec le T comme ça, Tesla, elles sont électriques. D'accord, merci pour le conseil. Électrique, pas de soucis. De confondre Tesla et Toyota, frérot. Il va se faire péter, lui. Il va se faire péter. Hein ? Une voiture essence. Non, ah, par contre, mais... Allez, vas-y, va-t'en. Va-t'en, parce que je le prends à la rigolade. Mais... Il me demande si j'ai une voiture essence pour me la siphonner, le mec. Lui, il va se faire péter. Hein. Non, mais gros, il n'y a pas une asile psychiatrique, pas loin. Il est bizarre, lui. Mais comment il marche ? Attendez. C'est les arbres. Marquez à tes sous dans les commentaires, s'il vous plaît. Bref, voilà, c'est juste pour vous filmer ça, les gars. Bah, siphonnez pas les Tesla, les gars. Bah, siphonnez pas tout court. Mais quand vous voyez une Tesla, là, siphonnez pas. Surtout pas... si vous travaillez à Total. Voilà, les amis, bah, c'était une vidéo qui était pas censée. On n'était pas censé tourner cette vidéo. Et là, bah, on a vu cette énergumène tourner autour de la voiture. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il y avait quelque chose à faire. Voilà. Ah, j'ai envie de faire une sentence, frérot. Ah ouais. On va le rattraper. J'ai envie de faire un truc. On va essayer de le rattraper parce que là. Putain, il y a des motos là, t'as vu ? Ah, il y a un bidon. Il a laissé son bidon par terre. Mais il est con, quoi. Vas-y, vas-y, avance. Hein. Pourquoi il fait ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Attends. Eh, il marche, il marche. Attends, attends. Attends. Oh, jeune. T'as laissé ton bidon là-bas. Ah, c'est bon, laisse tomber. C'est bizarre ça. Il est bizarre, lui, haut. Mais regarde, il a pas l'air stressé. Ah, il y a un hôpital psychiatrique pas loin, frérot. Oui, oui. Vas-y, j'appelle, j'appelle. Il est inquiétant, lui. Il est parti. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle pour savoir, à tout hasard, est-ce qu'il y a un patient qui s'est échappé ou qui est pas revenu d'une sortie dans les jours, là, qui arrive, enfin, ces jours-ci ? Alors, oui, nous avons un jeune de 25 ans qui est échappé. Est-ce qu'il est... Comment il est habillé ? Il est habillé comment ? Pardon, j'ai pas compris. Il est habillé comment ? Il est habillé tout en bleu, mais dans la coconade. Il aime pas l'essence par hasard ? Il n'a pas essayé de s'y faire. Monsieur, non, je vous explique, non, c'est. Il est pyromane. Oups, vas-y, viens. Bah, alors je vous explique où il est, parce que moi je m'approche pas, parce qu'on sait jamais. Il est dans la zone industrielle des Palus. Il est là, en ce moment même, il est en train de marcher. Et il est. Ah putain, c'est quoi, il y a quoi là ? Il y a ACF à côté de moi, il y a des trucs de sécurité, tout ça, il est là. Promane. Il est à côté de Promane, voilà. Ok, d'accord, ben... Envoyez quelqu'un, non, nous on peut pas vous le ramener. Parce que, non... Il est trop dangereux. Ouais, je le connais pas, il a l'air vraiment dérangé, non. Il est à... Ben ok, d'accord, ça va, bon, on va envoyer une équipe alors, du coup. Allez, ça va, ben écoutez, super. Merci en tout cas. Merci. Attends, mais il marche toujours, lui, attends. Oui, il est encore en train de marcher. Il est là-bas au fond, frère. Il marche. Mais il regarde même pas derrière et tout. Il marche au milieu de la route, frérot. Ça me découle. Ah, il est bizarre, attends, viens. Pyromane, frérot. Attends, il voulait mettre le feu, il voulait pas siphonner. Non, il voulait siphonner pour mettre le feu, je pense. Ah, peut-être aussi. Savoir. Putain, il marche au milieu de la route. Il marche mieux. Je le vois. Excuse-moi. Tu as une clinique, non ? Tu es dans une clinique ? Moi, non. Non ? 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 Non. 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 T'es sûr ? Non. C'est pas bien. Non, ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, mais désolé les gars, je me jure c'est plus fort que moi. Bon, on va lui dire qu'on... On lui dit rien, lui dit rien, parce que si on lui dit qu'on a envoyé une équipe, laisse tomber, ils vont venir le chercher. Mais il s'en va, il repart, il part à droite. Ah, c'est pas bien, on style, frérot. Oui, il te dit non, il style. Il en style, frérot. C'est quoi, c'est ah, je peux pas le prendre avec moi, on sait jamais, frérot. Non, je te jure, t'as, tu le mets derrière, il te fait un truc de fou. Laisse tomber. Bon, les gars, nous, voilà, on va finir cette vidéo qui était pas du tout prévue. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. À 18h bien entendu. Si vous voyez des gens comme ça, dérangés, ça sert à rien de s'énerver contre eux.
essayez d'appeler la police. Nous, on a trouvé la clinique de suite, mais si vous savez pas, connaissez pas la clinique, vous appelez la police direct. Vous dites, voilà, il y a un monsieur, il est à tel endroit, à telle heure. Au pire, vous le suivez en voiture, comme nous, on va faire là. Et en attendant qu'ils arrivent, ils vont envoyer une équipe. Donc, j'espère qu'ils vont le prendre en charge. Voilà, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré tout. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire Kamov TV. Ciao.